c'est l'arrêt de bus sur la piste cyclable. Alors, c'est indirectement. C'est une photo qui peut prêter à confusion, mais qui, théoriquement, ils ne sont pas censés se rencontrer. C'est-à-dire que vous avez un zébra ici qui est situé, qui permet effectivement l'arrêt du bus, qui D'accord. n'est pas censé effectivement rentrer sur la piste cyclable. Donc, ils ne sont pas censés Et se rencontrer. les personnes qui attendent le bus ici, là, à un moment donné, ils vont bien passer ici. Effectivement. Et donc là, on crée pas un peu un conflit avec des personnes qui sont sur leur voie. On est d'accord, effectivement. Maintenant, là encore, de nombreuses voies obligent à la cohabitation. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire le cycliste là dans... Bah, toujours la même chose. On est en présence d'un attroupement ou d'un certain nombre de personnes qui sont présentes. Il faut effectivement, du moment qu'on se retrouve presque en contact avec des piétons, ralentir l'allure et voir à se signaler pour pouvoir passer en toute sécurité. Maintenant, si effectivement ça devait correspondre exactement au moment où le bus arrive et où les voitures, où les personnes montent dans le bus, il convient effectivement d'en prendre note et de tout simplement céder le passage.